Une femme, Pascale Cosier, vient de publier un livre qui s'appelle « J'ai suivi un accompagnement sexuel » aux éditions Duno, où elle raconte son expérience. Alors, elle a 54 ans, elle est divorcée, mère de deux enfants. Mm-hmm. Alors, elle n'est pas handicapée, elle porte un autre fardeau, écoutez. J'ai été agressée sexuellement, j'ai été violée quand j'étais adolescente. J'ai travaillé sur mes viols en psychothérapie à plusieurs reprises dans ma vie. Mais par contre, moi je me sentais mais complètement déconnectée de mon corps et déconnectée de ma sexualité. Et c'est en rencontrant Alex dans une conférence sur un autre sujet que j'ai eu envie d'aller dans un premier temps tester un massage avec lui. Et à l'issue du premier massage, je me suis dit ben pourquoi pas. Et voilà, avec Alex, son assistant sexuel, les choses sont assez cadrées. 9 mois d'accompagnement, une quinzaine de massages facturés 120 euros, d'accord, chacun suivi de relations sexuelles. Mais quelle est la différence entre des relations sexuelles classiques entre un homme et une femme et puis celles tarifées entre justement Alex et Pascal? Et ben, vous allez entendre Pascal, pour elle ça n'a rien à voir. C'était des moments de pur égoïsme en fait. Je pouvais penser qu'à moi. Je n'avais pas à me soucier des répercussions sur une relation. Comme il peut exister dans les couples, des fois on va accepter quelque chose pour faire plaisir à l'autre, pour pas le perdre, etc. Il y a eu un lien, ça c'est certain. Il y a eu un lien très fort entre nous. Je pense que ce lien il est à vie de toute façon. Mais amoureux l'un de l'autre, non. Jamais. Alors, 9 mois plus tard, l'accompagnement est terminé. On pourrait dire la thérapie est terminée. Ouais. Pascale Cosier raconte qu'il y a eu des moments quand même difficiles, hein, puisqu'elle a été confrontée à des vagues d'émotions liées au viol qu'elle a subi. Mais aujourd'hui, écoutez, tout va bien. Alors aujourd'hui, effectivement, je me sens réparée. Je vais bien, je suis pas différente d'avant. Je suis complète, en fait. Dans ma sexualité, ben, j'y vais sans arrière-pensée et sans culpabilité. J'ai pas encore construit un nouveau couple, mais c'est vraiment mon objectif. Mais j'ai de la sexualité. Alors, vous voyez, elle est guérie. On pourrait dire elle est guérie. Et je rappelle le titre de son livre, parce que c'est vraiment un livre passionnant. J'ai suivi un accompagnement sexuel aux éditions Duno.